Team Woman ici, nous sommes de retour avec la cam. Oh God. Oui, je peux enfin respirer. Il y a eu un gros orage cette nuit sur Bruxelles et enfin, il n'y a pas de pollen qui est balmondé dans l'air. J'ai pas dû me doser de médicaments anti-allergie et tout ça. Je sais enfin respirer, ça fait du bien. Je fais partie de la population qui supporte très mal la pollen à tel point que c'est des sprays nasales. Je dois prendre quelque chose pour ma gorge, des gouttes dans les yeux. C'est pour ça que j'ai pas mis la cam, parce que malgré les gouttes, ça fait du bien, mais ça m'irrite un peu les yeux, qui est normal. Alors voilà quoi. Et alors j'ai pas envie non plus de vous montrer ma tête d'orgue le matin, surtout. Oups. Non, je rigole. Bon, comme j'ai dit, je vais un peu m'investir dans ce jeu-ci parce que j'aime bien, malgré que ma communauté, pour le moment donné, est déprimée. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai une session ouverte en sachant que je l'ai mis en privé. Mais bon, ça, c'est pas grave. Si j'ai quelqu'un qui débarque, bah, ils débarqueront, tant pis pour eux. Et comme vous voyez, j'ai déjà un peu chipoté. Mon de bol sur ce jeu, et ça c'est pas évident, c'est que j'ai légèrement l'impression qu'il n'a pas de histoire en fait. Alors j'ai commencé à chercher des trucs, j'ai augmenté ma base, bon j'ai dû virer quelqu'un, j'étais un peu méchante mais j'ai viré quelqu'un, comme vous voyez c'est un peu basique. Voilà, faut savoir que ce jeu-ci vous demande beaucoup, 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 beaucoup de temps pour augmenter vos persos et tout ça. Mais quel obstacle? C'était un escalier! Really? Ouais, il me faut... y a moyen de les réparer. Ça, c'est génial, mais je dois... encore mettre l'atelier. Comme j'ai dit, c'est un jeu où on doit choisir. Qu'est-ce qui est mieux pour la communauté? Comme vous voyez, il me faut des trucs pour. Quoi? Plague zombie? Il y a un plague zombie tout seul. Là, derrière moi. Yay! Je disais quoi? Oui, il faudrait. Je me rappelle plus ce que je disais. En plus, c'est ça qui est... oui, chaque personnage de votre camp a une compétence particulière. Et attends! Ça, par contre, ça m'énerve. C'est que tu es en train de viser un et boum, ça change pour un autre. Bah, gardez cette porte ou fermée, s'il vous plaît! Merci. C'est là aussi. Oh, come on. C'est bien pour débuter la vidéo. Ah oui, c'est un truc de 20 secondes. D'accord. Ça, c'est pas mal, quoi. Défendre la base et tout comme ça. Je me rappelle. Je crois pas qu'il y avait ça dans le... dans le 1. Beaucoup de gens, bien sûr, comme dans tous les jeux, comparent celui-ci au 1, qui est normal. Mais non, je veux pas ça, je veux ça. Non! Ça, par contre, c'est pas évident. Non, comme je disais, beaucoup de gens comparent celui-ci au 1, qui est normal, on compare tous les deux au 1. Ah bon, mais ça... Il est où? Là. Ah! Voilà. Alors, on va entrer un peu plus dans le jeu, parce qu'en réalité, je m'attendais vraiment pas à voir ça. Oh, come on! Mais j'ai pas de balle en plus. Oh, come on! Fuck off! C'est bon?
Vous êtes déprimé, je sais. Là encore. Le truc est fini, hein. Encore un! Oh! Voilà! C'est bon? Merci. Désolé. Non, mais qu'est-ce que j'aime bien, c'est que... Et ça donne un petit touche en plus. Comme vous voyez, j'ai déjà... J'ai ça, j'ai pris ça en plus pour Lily. Il y a ça qui est pas mal, ça j'aime bien, le cœur de peste et tout ça. La communauté, bon, ils sont un peu fatigués pour le moment. Mais on peut bannir. Comme vous voyez, j'ai réussi à tuer quelqu'un. Et un petit tombe qui est pas mal. Ce que j'adore, c'est les détails. Chaque personnage a leurs propres compétences. Bah voilà, tu vois. Là, je peux le faire, tu vois, recul ou améliorer. Mais je vais améliorer les spécialités, c'est comme ça vite fait. Toi, médecin, qui est pas mal. José, je n'ai pas encore augmenté un peu plus. Lui non plus, parce qu'il vient d'arriver. Elle, tu vois, c'est presque à fond. Non, c'est à fond. Voilà, frappe, tir et tout ça. Ça, c'est génial parce qu'en réalité, vous pouvez cibler certains, qui est pas mal. Ben lui, je l'ai pas encore sorti pour faire les trucs. Qu'est-ce qu'il faut encore? Il est toujours déprimé, lui. C'est un médecin, c'est normal. Désolé si vous êtes médecin. Vis-à-vis de la base, c'est... yes! Aurore! Yes! Encore un avant-poche. Génial! Ça veut dire que je peux mettre quelque chose. Moi, personnellement, je suis allée pour l'eau. J'avais toilette ici, mais j'avais besoin de lit parce qu'à un moment donné, tu te retrouves sur une deux missions où il y a des gens qui te suivent. T'as le choix entre oui et non, mais moi, je les ai pris quand même. Alors, j'ai dû enlever les sanitaires pour mettre deux lits en plus, et c'est pour ça que j'ai ajouté cet avant-poste avec des lits en plus. Bon, ça, tu sais pas l'enlever, hein, tu vois, pendant l'influence. Tu vois, recherche de nouveaux territoires qui est pas mal, ça c'est intéressant. Bon, normalement j'ai le truc, mais il m'en faut deux, après ce que j'ai compris. Les lits, bah, ça c'est pour dormir, faire dormir les persos. Bon, j'ai pas eu le temps parce que la dernière fois j'ai joué jusqu'à 3 h du matin pour essayer d'augmenter un peu plus mes persos. Pour les médicaments, c'est pas évident à comprendre celui-ci. Parce que tu as bon cliqué dessus et j'ai eu un problème, j'arrivais pas à comprendre, mais. Tu vois, ça c'est vraiment tout. Oh, il faut en faire. Franchement, si vous avez l'occasion d'en faire, faites-les. Parce que c'est chiant. Ouais, ouf. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, tu vois. Il y a plein de trucs qui est génial. Tu vois, la communauté, il peut faire pour la communauté. Je crois pas que dans le 1, il y avait tout ça. Dans le 1. Bon, il y a encore quelques couacs, hein. Comme à chaque jeu qui sort, j'arrive pas à comprendre comment ils font pour pas sortir un jeu 100% nickel chrome et tout ça. C'est un peu chiant, mais bon. Là, je vais... Bah, tant que j'ai l'avant-poste, là, je vais choisir un... Périmètre de sécurité, deux lits. Je vais faire de la nourriture parce que c'est quelque chose qui est assez rare dans ce jeu. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça prend, comme vous pouvez voir au-dessus, ça prend un peu les médicaments. Alors c'est un peu chiant. Il y a certaines choses qui sont chiantes, mais bon, c'est ça qui est l'art de ce jeu-ci, c'est que. Il y a encore des zombies. Ça change un peu des autres jeux de zombies, quoi. Ça, c'est. Ces constructions et tout, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont pas. Ils pouvaient faire un peu plus, je trouve. Ah, mais bon. On va voir pour la suite, hein, avec les mises à jour, les DLC, parce qu'il y a tout ça que normalement. Que... Je sais pas s'ils vont sortir des DLC chers. Ouais, tu vois, ils m'ont déjà piqué quelque chose. Mais non, pour les DLC et tout ça, je sais pas ce qu'ils vont faire. Oh, come on! C'était ouvert hier soir!
Voilà. Alors, moi, j'ai eu un gros couac. Parce que j'avais médecin et nourriture à l'époque. Et comme je dis, j'ai changé pour parce que j'en ai eu besoin. C'est que à un moment donné, normalement, la nourriture, c'est une fois par jour. Et le médecin aussi. Et bah, figurez-vous, je ne l'ai pas eu. Mon truc des médecins était ici. Je crois que c'était... Oui, c'était là. Le collecte. Mais j'ai jamais eu mon collecte, en fait. Jamais eu. Vous aurez. J'ai jamais eu mon collecte quand c'était arrivé. Ça, j'ai eu... Je sais pas, j'ai eu un couac. Je crois que j'ai eu un bug ou un hic ou quoi, qu'est-ce que moi. Pour rentrer encore un peu plus profondi dans, dans le jeu. Ah zut, j'en ai pas sur moi. Et je peux pas la conduire parce que je l'ai cramé. C'est le kit de réparation. Ah non, ça va, j'ai un... Je crois que j'ai mon 4x4 là qui peut être réparé. Je vais un peu dans le mauvais sens. Non, je vais pas dans le mauvais sens. Oui, quoi, il fait noir dans ce jeu. Il fait noir. Ba ba da ba, ba ba da. Voilà, ok, mon cardio est à max. Ça, c'est génial. Ouais. Prendre celle-là. Je vais prendre une, le kit. Si... décide pas à sauter par au-dessus... le truc. Hop, hop. Ouais. Ça, c'est... Ça, par contre, je trouve ça génial. Les voitures... Il y a moins de voitures hein, dans le jeu que dans un. Là, j'ai réussi à avoir la voiture de police, mais ça, c'était dans ma dernière vidéo, je crois, je sais plus. Non, c'était pas dans ma dernière. Et voilà, on répare la voiture. Je trouve ça génial. Il n'y avait pas ça... Je crois pas qu'il y avait ça dans 1, je m'en rappelle plus. Ou bien, c'était pas, ou bien je l'avais pas encore débloqué. Mais, par contre, qu'est-ce que je trouve débile, c'est qu'il y avait dans le 1, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont retiré dans celui-ci, parce que je trouve même pas une compétence pour... C'est que dans le 1... On déposait la voiture près, près de la base et ça prenait automatiquement les affaires qui étaient dans le coffre. Hein? Bah maintenant, je ne crois qu'il n'y en a plus. Parce que je n'ai pas trouvé la compétence pour celui-là. Et dans le 1, je l'avais débloqué. Ça, je le sais. Le truc des réparations, je ne sais plus si je l'avais ou pas. Je ne me rappelle plus. Mais ici, je ne le trouve pas. Et ça, je trouve ça bizarre. Hein? Franchement, je trouve ça bizarre. Par contre, je vais voir si je ne peux pas augmenter. Ah, il me faut 10 de circuits et 10... Ok. Quoi, j'ai combien de circuits, moi? Ah non, je crois que je les ai déjà utilisés en plus. Non, j'en ai 7. Ok. Bah ça, c'est pour une prochaine vidéo. Hein? un petit peu de gameplay. Moi qui joue un peu. Bon, vous avez vu là, mais je voulais pas... À la base, ça voulait pas... Je voulais pas que ça soit comme ça. Mais c'est comme ça. Non, mais... Comme j'ai dit, donc, je vais augmenter un peu plus ma base. Je vais essayer d'explorer un peu pour les nouvelles zones. Parce que j'ai vu qu'il y a moyen de faire une nouvelle zone. Et si vous voulez encore plus de petits trucs, de quoi, ou de caisse, ou de comment, des explications un peu plus sur le jeu, si vous avez jamais fait le 1... dites-le moi dans les commentaires, je ferai un plaisir de vous faire des vidéos là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux autres endroits, parce qu'ici je suis dans la vallée. Je vois qu'il y a la montagne, je ne me rappelle plus où était l'autre. J'ai un gros problème dans la vallée, c'est vis-à-vis des munitions. Là j'ai réussi à en avoir 14, mais ils ne sont pas très évidents à voir dans la vallée. Et tout ça, mais dites-le moi dans les commentaires, je serais un plaisir de vous aider et tout ça. Et si vous avez envie de venir avec moi pour jouer, dites-le moi aussi, je sais que ça fait longtemps que je l'ai, j'ai pas dit ça. Mais comme j'ai dit, ces dernières deux mois, c'était un peu compliqué pour moi. Avec l'association e-sport, ce qui est tout ça, il y avait des choses privées aussi. Alors dites-le moi dans les commentaires et je ferai un plaisir. Allez, bisous bisous!